Dans le fond, c'est juste pour qu'elle. Mais c'est moi qui vais l'avoir attaché. Dans le fond, on peut juste faire tout ça en dessous d'une matelas pour voir, oui. C'est moi qui attache le matelas pour vraiment que tu soulèves. Veux-tu qu'on débarque? C'est assez long, ça. Ouais, ça c'est long. Mais, Martin. Qui me parle? Présentement, on est à la baignoire à Plaisance. Plaisance? Oui. Que faites-vous à Plaisance? On est en tournage pour le film La baignoire. Ouh, original! Oui, très original. Mais c'est bien? Oui, très bien. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ben, on a commencé un petit peu en retard. Pourquoi tu capotes, hein? Ben, parce qu'on est 2 heures en retard. Mais à part ça, je dirais que dans l'ensemble, tout va bien. On a commencé à se faire beurrer. Bois ça? Hein, on a un petit peu de temps, on va en avoir un petit peu d'autres. J'en dis pas plus, mais ça va être le fun. Ça va être un film sanglant, finalement. Oui. D'accord. Quoi de mieux qu'un bon film sanglant? Ok, on dirait que c'est vrai. Vrai? Good. Ton rôle? Je joue le rôle de Robert, un jeune qui a l'air un peu reject, je dirais. Très timide. Mais. Parle pas gros! Mais quand il parle, il sait qu'est-ce qu'il a à dire. Bien. Est-ce que tu peux nous parler du film? Pas trop en dire, mais j'aimerais que tu nous dises quelque chose. Sur l'histoire. Hmm. Est-ce que c'est parce que tu le sais pas ou. C'est parce que tu le sais pas? Ça va être un bon film. Ne le manquez pas dans les cinémas près de chez vous. D'accord. Ah! 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 Oui. Tournage, comment ça se passe? Ben écoute, ça se passe bien. Écoute, de ce que j'ai vu à date, là, ben tout le monde s'amuse, fait que. Puis Martin a de l'air content. Puis moi j'ai hâte de voir le résultat final, j'ai hâte de voir ça monter. C'est toi qui l'as écrit? Oui, oui. La prémisse, par exemple, je l'ai élaborée avec Martin. Martin a fait une partie, ben la moitié des personnages, moi j'ai fait l'autre moitié. Fait que là, avec tout ça, avec une bonne idée, tu sais, de départ, ben là, Martin m'a comme imposé des contraintes. Tant de personnages, tel lieu. Fait qu'à partir de là, ben j'ai écrit quelque chose, là. Après ça, il m'a fait changer un peu la fin, là. Il voulait plusieurs rebondissements à la fin, fait que... J'ai amené, j'espère, un twist intéressant, là. J'ai hâte de voir la réaction des spectateurs. 3, 2, 1, action. Toi, ta gueule! Toi, film! Ok, David, c'est sûr que ça a pété dans la rouge. Ouais, mais ça a pété dans la rouge. C'est pas grave, c'est pas mais ça que je veux utiliser. Mais s'il dit pas fort, c'est pas grave? Non, c'est ça, je te dis, c'est pas grave, c'est pas ça que je veux utiliser. Ta gueule! Ton vrai rôle, c'est? Moi, je fais le père. Le père de? Mais oui, je suis le père de Sariel. J'ai été kidnappé. Je suis apporté dans une valise de char à Plaisance, dans un petit motel qui s'appelle Baignoire. Et ça va pas bien pour Michael. Ton personnage, c'est quoi? Carla Monica. Carla Monica? Est-ce que c'est inspiré de la vraie tueuse? Ben ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est juste Carla, mais moi, je présume que c'est Carla Monica. Oui, c'est ça. Mais ça j'ai jamais connu vraiment personnellement, fait que si vous voyez pas de ressemblance, c'est correct. OK. Puis est-ce que tu peux nous décrire un peu ton personnage? Comment il est?
C'est une femme qui a fait des choses horribles pour son copain. Un peu comme ce qu'on sait de Carla Molka, tu sais. Puis, ton expérience avec Actum, c'est quoi? Hey, moi, je voudrais faire ça toutes les fins de semaine. Encore et encore et encore et encore et encore. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait du bien. C'est une belle équipe. Le monde sont gentils. Fucking white! Puis, franchement, c'est cool. On sort dans la chambre à Chantal, à son ancien appartement. OK. Là, pourquoi tu tapes tout en noir? Pour cacher le fait que nous sommes justement dans une chambre, parce que c'est supposé d'être dans un asile, donc okay. Un mur briqué, blanc. Présentement, je suis en train de créer une morte. Une morte? Une morte qui n'aura pas d'yeux et ni de bouche. Ça va être dégueulasse. Ça va être des orbites. Ça va être dégueulasse. Vide. Moi, je vais avoir peur. Ouais, un peu fait par maquillage et sûrement par ordinateur. C'est quoi ton rôle sur le plateau de tournage? Ben, grossier, je dirais gopher, mais maquillage, effets spéciaux. Ou n'importe qu'est-ce que Martin ou n'importe qui d'acteur me demande. Finalement, t'es la bitch de tout le monde. Ouais, mais j'aime ça. Je peux pas chialer. On avait-tu trouvé une tape tantôt? Oui, il est sa chaise, là. Il est ici, je touche. OK. Marc, tu me dis... Oh, ma jupe, par exemple. Oh, tabarnak. OK, là, on est en train d'ensanglanter les acteurs. Et puis, ensuite, ils doivent se laver. Voilà la douche. Il manque quelque chose? Oui, le rideau de douche, effectivement. J'ai bien réalisé ça. Et il n'y a pas de savon? Et il n'y a pas de savon. On va voir maintenant si un petit savon encore bon.